Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'événement de fin de saison 2 de Fortnite chapitre 3. Alors comme vous pouvez le voir, quand vous allez vous rendre à Rocky Reels, il y a des affiches qui annoncent la fin de l'événement de la saison 2 qui se déroulera dans 9 jours et quelques heures. Donc on peut voir qu'il y a deux affiches à Rocky Reels, il y en a sûrement d'autres dans la map de Fortnite. Et en plus de ça, quand vous arrivez dans le lobby, quand vous êtes dans le lobby de Fortnite, il y a aussi un compte à rebours en haut à droite de l'écran qui vous annonce que l'événement arrive dans 9 jours. Alors ici, on se retrouve sur mon PC, je vous partagerai l'article officiel en description, en commentaire épinglé, qui nous annonce aussi que l'événement de fin de saison Impact va secouer Fortnite le 4 juin. Donc on a déjà vu hein, des petites secousses grâce à l'impacteur. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose de très grave sur la map de Fortnite et que ça va secouer grave. Alors ce sera le 4 juin à partir de 22h. Donc le 4 juin, c'est tout simplement samedi à partir de 22h, il y aura l'événement de la fin de saison 2 de Fortnite. Donc ici vous pouvez même mettre un petit rappel sur vos applications. Alors, ils nous disent le destin du point zéro se décidera lors de l'impact, un événement de jeu unique. Pour cet événement, nous aurons besoin de tous les bras possibles. Ils disent que le mode de jeu impact sera disponible 30 minutes avant le lancement. Donc, moi, je vous conseille quand même de vous connecter une heure avant sur Fortnite. Donc, vous connectez sur Fortnite à 21h et vous lancez le jeu, enfin, le mode de jeu 30 minutes à l'avance pour être sûr d'avoir une place parce que c'est possible que il n'y ait pas de place de disponible avec les serveurs bug parce que tout simplement c'est un week-end et le week-end tout le monde est disponible pour y jouer et pour y participer. Donc bien entendu, si le 4 juin à 22h c'est la fin de l'événement de la saison 2, ça veut dire que dimanche vers midi, donc à mon avis le dimanche à 8h, donc le 5 juin à 8h du matin, il y aura une maintenance pour la nouvelle mise à jour, donc pour la nouvelle saison, et normalement vers midi dimanche, on pourra tous jouer, voire peut-être même 11h dimanche, on pourra tous jouer à la saison 3 de Fortnite. Alors, ils disent aussi que si on se connecte les jours avant, les joueurs qui souhaitent revivre l'expérience, non, c'est pas ça que je voulais voir, un moment de bravoure, doivent faire en sorte d'enregistrer et d'archiver leur expérience car les rediffusions ne seront pas disponibles. Donc, les rediffusions ne seront pas disponibles. Et les créateurs de contenu, donc moi par exemple, qui souhaitent revivre leur exploit et leur moment de bravoure, doivent faire en sorte d'enregistrer. Donc on doit enregistrer. De toute façon, je serai en live ce jour-là, bien entendu, pour enregistrer. Donc voilà. Alors il est marqué à un moment que, afin de motiver les troupes, voilà ça, afin de motiver les troupes pour la conclusion de cette saison, tous les joueurs qui se connecteront le 4 juin à partir de 14h, donc samedi à partir de 14h, recevront une musique du salon. Donc une musique de lobby, et un écran de chargement exclusif. Et pendant que les jours qui précèdent l'impact, donc les jours avant, vous allez pouvoir aller dans la boutique d'objets, essayer la tenue mecha, ou alors acheter le pack qui sera disponible, donc le pack club du mois de juin, donc le 1er juin, il y aura un pack club qui sera disponible à l'effigie de ce gros robot hein, que je vous avais présenté de toute façon sur... sur l'image du pass de combat de la saison 3, du chapitre 3. Donc il y a une image qui a leak, je vous ai fait une vidéo hier dessus, et apparemment ça commence à se confirmer que c'est vraiment le pass de la saison 3 qui était vraiment leak. Donc voilà. Alors là ils disent d'autres petites informations, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant la fin de la saison 2. On peut terminer les quêtes rôdeurs, déverrouiller les variantes de l'épée Omni avec les Omnipus restantes, échanger des étoiles de combat contre des récompenses. Il faut savoir qu'à partir du 31 mai à 15h, la semaine des soldes de monstres commencera et tous les services des personnages seront beaucoup moins chers contre des lingots. Donc vous pourrez user vos lingots tranquillement à moindre coût. Et il y a aussi une petite dernière information. Si maintenant vous n'avez pas utilisé les étoiles de combat avant la saison 3 de Fortnite, eh ben, elles seront automatiquement dépensées
par les objets plus accessibles immédiatement. Par contre, les Omnipus, pour les variantes de l'épée Omni, eux seront totalement perdus et vous ne pourrez pas les récupérer à la saison 3. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.